Ah, y a rien de grave, hein, même si ce qu'il faut pas vous en faire, hein. On va pas vous garder pour si peu. Qu'est-ce que j'ai alors? Ah, ben je sais pas, ça. Je suis pas médecin, moi. Vous savez, ici, pour nous, c'est très simple, hein. Ou ça bat plus. Et en l'occurrence, ça bat. Parce que c'est pas la première fois que ça m'arrive, hein. C'est vertige. Vous inquiétez pas, madame Siska, vous nous enterrerez tous. Vous enterrerez tous, je disais. Georges, si on s'en est toujours à peu près sorti jusque-là, c'est bien parce qu'on a toujours su se serrer les coudes et que j'ai pu compter sur un type comme toi. Ouais. Pour faire court, je pourrais pas vous payer ce mois-ci. Je pourrais pas. Excusez-moi, messieurs. On dirait que ça redémarre. Prenez un verre. C'est pour moi. Georges, je te présente madame Bartolo qui vient de perdre son mari. Toutes mes condoléances, madame. Non, c'est simple, c'est toujours tout droit en passant par le carrefour des ravines. Carrefour des ravines, ouais. Et puis ensuite, d'après ce qu'ils m'ont dit, c'est juste là. C'est encore loin? Ouais, je pensais que c'était plus près. Ils sont plus derrière nous, là. Comment ça? S'ils veulent pas nous suivre, tant mieux pour eux. Mais Georges, ils nous suivaient. Ils ont dû changer d'avis, qu'est-ce que je te dis? Une heure de retard, on n'a jamais vu ça. Hein? Une heure de retard, on n'a jamais vu ça. Ah, jamais. Quoi? Oh, putain. Ah, je crois qu'on a touché le fond, là.